qui joue avec, mais vraiment beaucoup de sérieux, beaucoup d'applications. Il y a un grand sens de l'anticipation, que ce soit de la part de Miranda, que ce soit de la part de son compère de cette défense centrale, Thiago Silva. Il y a de la sobriété, du calme, de l'intelligence et un sens du placement assez aiguisé. Le Brésil, comme l'avait expliqué le coach Itala, a pris son temps avant donc d'accélérer pour permettre à Paulinho de marquer dans cette rencontre. Alors, on va rapidement prendre la direction de cette base. Ne paniquez pas, messieurs, ne paniquez jamais. Du côté de tout près de la faculté de médecine, mon alma mater, côté n'a pas le retrouvé qui ambiance. Une base relax, soyez relax quand vous êtes avec moi. Alors, on va voir ce qui se passe de l'autre côté. Alors, avec relax, les garçons. C'est justement dans base relax que nous avons parlé pour nous qui ambiance qui gagne, qui chaleur, qui ferveur qui gagne, puisque c'est Brésil qui a joué. Nous connaissons passion haïtien yo pour le Brésil. Direction, base relax, tout près faculté de médecine. Bon, vous invitez à saluer tout étudiant. Yo. Voilà, merci studio, merci Guy Petit Frère, Rudy Rivo, Rubens Pressimé, mesdames, messieurs, bonsoir. Actuellement là, nous trouvons à Port-au-Prince, dans la rue Oswald Durand, côté nous venons dans la base relax pour un côté là qui opposait Brésil contre la Serbie. Il y a un premier mi-temps que Brésil a mené 1-0, et bien avec Fanyo, nous prenons demandé yo comment yo te vivre premier mi-temps et qui impression yo et comment yo souhaité Brésil jouer deuxième mi-temps et suite compétition 1. Et Télévision Nationale d'Haïti, salut ou sous Télévision Nationale d'Haïti, comment te suivre premier mi-temps Brésil là? Bonsoir TNH, mes cordiales salutations, téléspectateurs, téléspectatrices. Donc, premier mi-temps était assez, pas qu'à dire difficile alors, il était assez facile pour nous, c'est que c'est bien déjà à barrer. En plus, tout, il y a autre qui empêchait que Brésil fait goal, même parce que Brésil a bien compétition pour qu'à qualifier au 8e de finale quand même. Quand même à 1-0, pas inquiet. Non, à 1-0, pas inquiet parce que je connais deux goals après 1-0. Et qui deuxième est-ce que tu souhaites? Je souhaite un deuxième mi-temps côté Brésil a plus poussé et a plus passé en moitié pour faire plus 3 à moi pour que je joue là bien et que pour que remporter la victoire en face. Merci. Merci. Voilà, nous continuons à recueillir impression fanatique côté nous trouvons dans la base relax. Zami, il y a un premier mi-temps que Brésil a remporté 1-0. Qui est-ce que tu fais de premier mi-temps si là? Dans le premier mi-temps, je ne peux pas dire que 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 ça. Je me confie dans le deuxième mi-temps, l'équipe a fait un plus bel match encore. Pour nous battre, j'ai besoin de plus pour William jouer plus. Et pour William jouer plus, bon, William est un bon faible dans le match. Et je suis beaucoup satisfait de l'équipe, son 3-0 m'apprend. Ça veut dire que tu es confiant pour cette compétition? Je suis confiant, Brésil en finale. Merci. Dans l'autre jeu. Voilà, nous avons l'autre fanatique. Zami, il y a un Brésil quand même qui a bien joué, joué très bien. Voilà, et nous avons continué donc recueillir impression fanatique. Yo. Et yo même qui l'a en base relax, qui quand même après le banon impression par yo. Donc nous avons fanatique yo, yo même qui pral dit nous, qui ça a souhaité. Zami, ou t'as suivi premier temps match là, et comment t'es well, qui analyse que tu fais de ça? Bon, on a salué et TNH qui vient dans la base relax. On a dit que c'est une grande opportunité pour nous qui vivre dans la base relax. On a dit que tous les fanatiques brésiliens, nous conseillons déjà le Brésil, 5 étoiles, nous allons passer pour une 6e étoile. Comment est le match là? Mon cher match là, je ne vais pas dire parce que nous-mêmes, les fanatiques brésiliens, nous disons qu'on est en bas déjà. Et on a arrêté en mi-temps. Next mi-temps, Neymar de Gaulle et bâton. Merci. Voilà, amis téléspectateurs, auditeurs radio, télévision nationale d'Haïti, nous trouvons nous dans base relax. Nous avons continué à prendre impression population hein, concernant le match Brésil contre la Serbie. Amis, comment tu es premier mi-temps? En premier mi-temps, on a bien joué là, on s'allait déjà. Avec Neymar, continue par ligne, on a bien passé. Et on a dit tout le fanatique brésilien qui est là. Après le match, nous avons Mélodie qui prend la rue, qui parle de bel spectacle dans l'arrière pour le Brésil. Nous avons tout le monde déplacé en foule. La base relax. À 1-0, ou pas inquiet, qui peut deuxième mi-temps souhaiter? Deuxième mi-temps, on va changer l'amel. Mais on va le virer, on va tout fini. Voilà, merci. Voilà, merci. Toujours dans la base relax, on va continuer à recueillir l'impression de la population. Les amis, il y a un Brésil qui joue en premier mi-temps. Qui analyse que tu fais de match ça? Qui analyse que tu fais de match là? Comment tu es match là? Bon, pour mon match, c'est un très bel match entre Serbie et Brésil. Pour le Brésil a bien joué face à Serbie. En même temps, pour qu'il puisse me qualifier pour le 8e de finale. C'est un bel match, très bel. Voilà, mais ou pas inquiet?
qui va qualifier quand même. Pour venir en finale. Mais Jean, puis le fanatique rêve final là, ou pas rêver le dos? Oui, moi je veux. Je veux le final, moi. Voilà, toujours dans base relax. Cette fois-ci, nous avons Simon qui veut dire nous quelques mots. Comment tu es match là? Match était trop, t'es tellement belle, mais les bons, depuis petit Brésil, depuis petit Neymar, depuis petit jaune. Voilà. Samedi là. Mais à 1-0, ou pas inquiet ou pas pour pas petit match là? Ah, non, Mbappé, là, point 4-0. Ok, qui raison qui pousse au fanatique Brésil? Parce que moi, mais Neymar, parce que il est bien joué, parce que il est bien passé, bien distrait. Voilà, merci. Voilà, nous avons dernier ami qui va nous impression. Nos amis, comment tu es match là, premier mi-temps? Bon, premier mi-temps, le premier mi-temps, j'ai commencé, je suis présent. Je suis fanatique, Brésil, moi, 100%. Depuis tout petit, je m'a supporté Brésil à nos jours. Jusqu'à mon retour, parce que depuis tout petit, maman me dit que moi, je suis fanatique Brésil. Premier journée aujourd'hui, on se va ma petite fanatique Argentino. Point courage, pas découragé. Champion pour champion, c'est Brésil cap champion. On se va ma petite fanatique Argentino, front plaqué à l'en bas. Voilà, studio, c'était Pierre Miguel Pierre Gilles depuis Rue Oswald Durand, dans Base Relax. Studio, l'internet à vous. Et oui, de retour sur le plateau de la TNH. Bon, et jusqu'à présent, le Brésil a bien la face parce que un peu le fanatique argentine d'espérer que le Brésil. Et pas beaucoup, soit beaucoup bien goal ou bien prendre goal. Mais là, nous, le Brésil a bien passé toujours. Même le Neymar, il y a pas pile pour sous lui. Mais et c'est pas parce que je suis fanatique argentine que je ne vais pas aimer Neymar qui sont gros joueurs de football. Même genre, pas parce que je suis fanatique Brésil, je ne vais pas aimer Messi qui sont gros joueurs et football. So, genre, et Dr. Jumzia, c'est on a connecté aujourd'hui à la Caribbean Grill. So, Pacific a fait un bel travail là, il a connecté Mounio avec l'ambiance qui est dans Caribbean Grill là. Voilà, merci. Et écran yo, Jean-Well là sous Télé Pacifique. Et là, il y a bien enjoy yo là. Donc, dis-nous comment vous-même vous vivez la première période match Brésil-La-Serbie. Gros travail pour payer, puis belle radio, télévision qui est dans le pays là. Et moi-même, je viens là, et tripotaille, je ne vais pas mentir, je vais faire tripotaille parce que je suis déjà. Je vais regarder gros maman, comment je vais le faire parce que tout le monde a pris les gros maman, beaucoup est ça gros maman. Même t'as espéré gros maman qualifié parce que je vais le battre depuis devant. Parce que sans Brésil, sans Argentine, pas de football. Et je ne sais pas comment je vais aller, mais j'espère une victoire de gros maman, je vais le battre depuis devant parce que nous sommes champions. En laissant Argentine lié. Et pas ça, d'abord. Oui. Voilà, et fanatique ça qui lui-même n'est pas trop satisfait de performance et équipe brésilienne dans la première période ça. Donc en tout cas, on a pas suivi comment ça y est, mais entre temps, fanatique et brésilien qui ont même dégagé un ouf de soulagement par rapport avec le but ça que le Brésil lui inscrit en fin de première période. On a pas les permettre aussi le match là. Entre temps, on a quitté l'avenue panaméricaine. Nous allons aller dans une autre base et pour nous capables de continuer à faire vivre et comment ça y est, parce que Pablier nous dit ça, match là, il y a joué à deux niveaux. Là, je joue en Russie, mais là, je joue tout. Dans le fanatique dans le pays d'Haïti, les morts du ballon rond et Télépacifique les déterminent plus que jamais pour permettre de vivre comment en diaspora. Amis téléspectateurs, nous voilà et retournés. Nous sommes dans base 6 amis là, toujours dans l'avenue panaméricaine. Et là, les fanatiques sont vraiment passionnés de l'équipe. Et là, ils apprennent à regarder comment le deuxième mi-temps libre jouer là. Dis-nous, non, fanatiques Brésil, comment vous vivez la première période là et qui attend tout pour la deuxième période là? Oh, je suis très bien content parce que Brésil a bien passé. Parce que fan fait fanatique Argentino est gris. Parce que Argentino, c'est un goal et ballon lié. Ça veut dire, nous-mêmes, face Brésil, Brésil va jamais faire nous déçus parce que nous-mêmes, nous toujours fêter nous en joie. Parce que face Brésil, Argentine fait goal, nous connaissons l'équipe. Nous-mêmes, même, depuis, nous n'avons pas encore fait goal, nous connaissons.
Jeune gay qui pense que Jeune c'est aigri et n'a toujours plus beau passé. Jeune ni et chéri le palot. Voilà. Dis-nous comment vivre ma chaleur. Moi-même, je suis un plaisir d'armes et pas trois jours. Parce que moi-même, mais nous voyons que eh bien, Marcelo lui-même il sorti dans le match là, donc il sorti sur blessure. Est-ce qu'on a peur pour ça pas eh bien impact sur l'équipe brésilienne? Oui, Marcelo sorti même pour le match. Je suis là, 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 je suis